Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va appeler ces vidéos les vidéos de la productivité. C'est le genre de vidéo facecam que je vais faire en voiture, tranquille, micro-cravate, la petite caméra, je me suis arrêté de ça. Je m'arrêterai pour l'arrêter, pour enlever tout ça aussi. Profitons en fait du chemin, des 45 minutes de route approximative pour aller chercher les enfants à l'école. Bah, profitons de ce chemin pour réaliser le tournage d'une petite vidéo facecam. Aujourd'hui, j'en ai déjà tourné une avant de 30 minutes. Ouf, beaucoup de choses à dégrossir. Et je vous en tourne une en mode de chill tranquille dans la voiture où on va aborder un sujet un peu léger, un peu tranquille. En fait, vous êtes mes sources d'inspiration. C'est que très souvent, vous me donnez des idées de vidéos en me posant simplement des questions. Et je me dis, cette question mériterait du coup d'être détaillée et mériterait d'être, mériterait une vidéo tout simplement. Et la question de cette vidéo, c'était, quel était ton premier job, Adrien ? Non, te plaît, ça certain, je travaille actuellement. Je ne suis pas branleur professionnel depuis 12 ans. Parce que je suis entrepreneur depuis 12 ans, mais malgré tout, je travaille. C'est vrai que j'ai un premier travail, comme tout le monde, j'ai un premier job. Et ce premier job, je l'ai déjà expliqué un petit peu, mais sans rentrer dans les détails, etc. De cette première expérience professionnelle, et j'ai envie de vous la détailler un peu dans cette vidéo. Ou si vous voulez avoir des petites anecdotes, savoir un petit peu comment a fonctionné mon premier job, pourquoi je l'ai fait, combien de temps, combien ça m'a rapporté, tout ça, n'hésitez pas à rester dans cette vidéo. Ce sera une longue vidéo, mais ce sera une vidéo tout de même avec du contenu qui pourrait vous intéresser. Alors, revenons en arrière à mes 18 ans, le 21 juillet. À mes 18 ans, j'avais pour projet en fait d'acheter un ordinateur portable. Savoir qu'à la maison, on fonctionnait avec un ordinateur fixe et des disques durs amovibles pour avoir chacun son système d'exploitation. J'avais très envie d'un ordinateur portable pour avoir un peu mon indépendance au niveau de la machine, quelque chose de plus nomade, voilà, de plus transportable, de plus pratique et tout ça, de pouvoir l'utiliser dans ma chambre. Bon, on n'avait même pas de Wi-Fi encore en ce temps-là. On n'avait même pas encore de Wi-Fi, c'est ouf, c'était en 2006 du coup, ouais. On n'avait même pas encore de Wi-Fi. Attends, 2006, attends, c'est ça, hein. 8. Attends, voilà, je dis peut-être des bêtises, hein. 17 ans, ouais, quelque chose. On n'avait même pas encore installé le Wi-Fi, ça existait déjà, mais on n'avait pas de routeur Wi-Fi, on s'en foutait un petit peu. Du coup, on l'a installé pour le PC portable. Et j'avais dit à mes parents, j'aimerais bien m'acheter un ordinateur. Ma mère m'a dit, si tu veux t'acheter un ordinateur portable, travailler. Tu as maintenant 18 ans, 1 juillet, c'est le moment d'avoir ton premier travail. Alors, il s'avère que une boîte d'intérim, donc une boîte d'intérimaire, recherchait des jeunes pour un travail saisonnier, travail d'été, dans le domaine des poubelles. Voilà. Ma mère a eu l'info en fait d'une amie et tout ça qui travaille là-dedans et elle m'a dit ils recherchent du coup des reapers, ça s'appelait des reapers, c'était ma qualification, c'était reaper. Reaper, c'est les mecs qui sont derrière le camion, qui s'occupent de charger la poubelle, de l'accrocher, de faire monter du coup le levage et tout ça, de la vider, de la remettre, machin. Il y a le conducteur et le reaper. Et du coup ma mère m'a dit si tu veux t'acheter ton PC portable, moi je peux te guider et t'aider à avoir ton premier job et tout ça, c'est bon intérêt. Je m'y suis inscrit avec un ami à moi, un ami d'enfance que je connais depuis la maternelle, inscrit tous les deux et l'avantage c'est qu'on bossait tous les deux dans la même rue. On vivait dans la même rue, du coup c'était pratique pour aller au travail parce que moi je n'avais pas encore le permis. Vu que j'ai eu le permis après, et que lui il l'avait déjà depuis plusieurs mois. Donc on savait qu'on pourrait faire éventuellement du covoiturage. Sinon c'est ma mère qui m'amenait du coup pour aller bosser. Alors vous me dites, les éboueurs ils passent à quelle heure chez vous? 10h du mat, 11h, 5h du mat, ça dépend beaucoup des communes. Il s'avère que mon ami et moi-même avons suivi une formation d'une journée au métier de reaper. En gros, on nous a expliqué comment fonctionnait machine, les règles de sécurité, comment on devait faire, comment on devait se tenir à l'arrière parce que souvent tu dois rester à l'arrière du camion. Enfin voilà, on explique un peu comment ça fonctionne et tout ça. Petite formation assez rapide mais très instructive. Et on enchaîne et on commence déjà. Alors vu que c'est de l'intérim, il nous disait 2-3 jours à l'avance quand est-ce qu'on bossait. En fait, on avait un planning, une visu sur 2-3 jours. Par exemple, t'arrivais le lundi, tu savais que tu bossais le lundi. Le lundi, tu allais regarder ce planning et tu voyais que à partir du mercredi, ils avaient déjà mis tes horaires. Le mercredi, tu bossais, le jeudi, tu bossais pas, le vendredi, tu bossais, et ainsi de suite. C'était de l'intérim, c'était très bien payé. C'était franchement super bien payé. L'intérim, etc. Je sais plus comment ça fonctionnait, mais du coup, ouais, c'est vrai que j'avais un bon revenu. Je tapais facilement j'étais au moins à 90 balles la journée. Hein. Une bonne journée, enfin du coup une nuit, parce qu'on était payé de nuit en plus, il me semble. Mais du coup, je sais que je notais souvent des 90, 92, etc. C'est très très bon. Et les horaires, en fait, la première semaine où j'avais bossé, ou les premiers jours que j'avais bossé, on prenait à 4h du matin.
Et on terminait aux alentours de midi environ. Ouais, c'est ça. Aux alentours de midi, on faisait tous les villages aux alentours, etc. Levé 4h du matin, retour à midi, petite sieste jusqu'à 15-16h, tranquille, tu joues avec des potes, tu joues au PC, etc. Et puis après, bah, tu te recouches pas trop tard parce que tu te lèves à 4h, voilà. Sauf en fait, au bout de quelques jours, la canicule s'est installée. C'était en 2006 ou je sais plus combien. La canicule s'est installée. Résultat, les horaires de travail ont changé et on était en horaire caniculaire. Voilà, à savoir que pour notre métier, on avait du coup des horaires de canicule et c'était au lieu de 4h midi, en fait, on prenait à minuit ou 2h du mat et on terminait avant 10h du mat. En gros, voilà. Sachant que dans ce boulot-là, en fait, on pouvait pointer et tout ça, c'est pas un problème, mais on avait souvent débordé souvent. On devait terminer à 10h et on terminait à 11h, 11h30. Il y avait souvent des retards parce que tu sais, c'est quelque chose qui dépend de plein de facteurs différents. Le camion, le remplissage, des fois on devait retourner au dépôt pour le vider et le remplir. Des fois, du coup, tu faisais du tri sélectif et pas des ordures ménagères. Le tri sélectif, c'était plus rapide. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui faisaient que des fois tu pouvais terminer plus tôt ou plus tard. Donc on a entamé tout de suite les horaires caniculaires et par contre là le rythme de travail était hardcore. J'ai bossé du coup pendant un mois. J'avais gagné un peu plus de 1300 ou 1400 balles, genre quelque chose comme ça. En un mois, mais c'est pas un mois plein, hein. Je travaillais pas tous les jours, je travaillais peut-être 4 jours par semaine, un truc comme ça, je sais plus. Ça m'a permis de m'acheter mon PC portable du coup. Et voilà, pendant un mois, le rythme a été assez fort parce que pour mon premier job, j'avais un job déjà physique, assez fatigant. Normal, j'ai découvert du coup que le métier des boueurs c'était extrêmement compliqué, c'était pas facile. Un job où j'ai rencontré des gens qui, bah les collègues on va dire, qui savaient qu'on était des intérimaires, donc ils s'en battaient un peu les couilles de nous quoi. Je veux dire, ils s'en foutaient un peu de savoir si on était content, pas content, si voilà ça se passait bien ou pas. Et souvent ça nous arrivait d'avoir des pourboires et c'est eux qui les gardaient. Une fois en fait on débarrassait, il y avait une famille qui s'était amusée à mettre des encombrants en plus des poubelles et tout ça. Et quand on avait la gentillesse de les prendre en plus des poubelles, il y avait toujours un monsieur qui sortait, qui filait un billet de 10, etc. Mais ça, nous en tant qu'intérimaire, on n'avait pas le droit d'y toucher. C'était le chauffeur et le ripper titulaire qui gardaient cette thune. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, à la limite, on s'en bat les couilles, c'est du passé. Mais voilà. Donc j'ai travaillé comme ça et du coup avec les nouveaux horaires caniculaires, je me levais vers minuit, entre minuit et 2h du mat. Je partais avec mon pote, on faisait pas les mêmes tournées, hein, vu qu'on était intérimaire, on était chacun sur une tournée différente. Je partais avec mon pote où ma mère me déposait, en pleine nuit elle se levait et puis elle me déposait au travail. Et elle venait me rechercher où c'était mon pote qui nous ramenait. On se levait vers minuit, 2h du mat, on prenait direct et quand on rentrait vers 10-12h, alors je peux te dire que t'étais rincé comme pas possible, tu bouffes un morceau, me recouchais vers 13-14h pour faire une sieste et en fait la sieste durait jusqu'à 20h, 21h. Donc en final, bah, je bossais la nuit et je dormais la journée. Comme énormément de personnes qui travaillent de nuit, bien entendu, je dis pas que ce que j'ai fait est exceptionnel. Mais du coup, en tant que gamin de 18 ans, c'est vrai que c'était une expérience assez folle. Attendez, je vais juste dépasser le camion. C'était une expérience qui était quand même assez incroyable, assez impressionnante. J'étais bien content de terminer au bout d'un mois. Au bout d'un mois, c'est bon, j'avais fini mon job. De toute façon, la rentrée scolaire allait arriver, donc du coup, c'était comme ça. Et mon père a eu un super geste vachement sympa. C'est qu'au bout de 2 semaines de boulot, qu'il a vu que je bossais, etc., il m'a dit « T'as combien d'argent ?» Je lui ai dit « Bah, je crois qu'il me paye à la semaine. Ouais, je crois que la boîte d'intérim me paye à la semaine. » Et je lui dis, bah, je sais plus, j'avais 600 balles ou 500 balles, un truc comme ça, j'avais pas encore. Il m'a dit, coûte combien ton PC? Je dis, oh, 1200. En ce temps-là, j'avais avoir un PC qui marchait bien avec des jeux vidéo et tout. Je dis, ah, 1200 et tout. Il m'a dit, bah, tu prends tes affaires, on va aller au magasin, on va te l'acheter. Je t'avance l'argent, tu me rembourseras quand tu auras ta paye définitive. C'était mon premier crédit. Maintenant, j'ai une sainte horreur des crédits, mais c'était mon premier crédit. Et du coup, on est allé au magasin. Du coup, j'ai recherché. Je faisais déjà partie de plein de forums d'ordinateurs. J'avais déjà regardé tous les modèles, etc. Et j'avais réussi à trouver, à acheter mon premier ordinateur qui était un Asus. C'était un processeur Turion 64 dedans. C'était les premiers processeurs 64 bits de chez AMD pour portable. C'était un Turion 64. Avec une carte graphique, je sais plus, c'était une ATI X800, un truc comme ça, ça avait cette époque. Et l'ordinateur, c'était un Asus 1600 AHT ou un truc comme ça. Je sais que j'avais un Asus Z83T, un V1S, un Z91T. Mais celui-là, je me souviens plus exactement comment il s'appelait celui-là. Bref, on s'en fout, c'est un détail. Et du coup, j'ai acheté mon premier ordinateur portable. On a installé le Wi-Fi à la maison pour que j'ai puisse avoir Internet dans la chambre et tout ça. Et j'ai terminé comme ça mon expérience de travailleur déboueur pour les vacances. Donc, c'était ma première expérience de travail. Et bah, je peux vous dire que j'en suis pas peu fier. Je suis très content parce que ça a été quand même relativement physique. Mais ça reste une bonne expérience. En plus, commencer comme ça en travaillant en nuit direct dans la gueule, c'était pas mal. Je sais que mon père, il avait voulu que je bosse à l'usine avec lui.
Mon grand-père qui était artisan plâtrier avait pour idée aussi de me prendre quand j'étais dispo pour être formé et travailler en tant qu'artisan plâtrier, enfin en tant que plâtrier assistant plâtrier. Mais du coup, c'est le métier de ripper qui m'a été accordé dont j'ai vers lequel j'ai été naturellement. Donc je suis très content de cette expérience. J'en garde un bon souvenir, assez. Vous voulez une anecdote dégueulasse? Je vous donne une anecdote affreuse. Avec ce métier, tu respirais la poussière. Je vous donnais deux anecdotes. Avec ce métier, tu respirais. Trois anecdotes. Avec ce métier, tu respirais la poussière à longueur de journée, à longueur de nuit. Tu respirais tellement de poussière avec les poubelles, etc., que je vous jure, quand je rentrais du boulot, que je me mouchais, c'est dégueulasse, hein, mais j'avais des crottes de nez tellement énormes que j'arrivais même pas à me moucher. C'était horrible, je devais souffler comme un porc. Et mon pote, je lui avais demandé, je lui ai dit, mais pareil pour toi, il m'a dit, c'est abusé. Ah oui, parce que les poils dans le nez sont là pour justement retenir les impuretés. Ah bah, je peux te dire qu'il les retenait. C'est un truc qui m'avait choqué, qui m'avait marqué. Deuxième anecdote, j'avais soulevé une poubelle au bout d'un moment, une poubelle d'ordures ménagères, mais sans couvercle. C'était pas une poubelle en plastique, c'était un sac poubelle. Et quand je l'ai soulevé, mon collègue m'a dit « Non, surtout pas, tu dois pas les prendre !» Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que ça arrivait à quelques fois qu'il y avait des seringues dedans, des seringues d'infirmières, de pas forcément de droguées, et que du coup, il y avait un risque. Et à ce moment-là, quand je l'ai soulevé, ça m'a traversé le gant et je me suis coupé. D'ailleurs, j'ai toujours la cicatrice, elle est là. Je sais pas si j'arriverai à vous la zoomer, je sais pas si ça zoome. Mais j'ai encore la cicatrice de cette coupure. En fait, un bout de verre qui était dans le sac poubelle a traversé carrément mon gant de protection et m'a coupé à l'intérieur. Je pissais le sang, ça dégoulinait tout là. Fort heureusement, c'était juste un bout de verre et tout ça. J'étais vacciné pour le tétanos et tout ça, pas de problème. Mais une deuxième anecdote assez forte. Et la troisième, c'est mes collègues, donc le chauffeur et le tripper, qui m'ont fait une blague pourrie. Et d'ailleurs très dangereuse et strictement interdite par le règlement. C'est qu'on était en train de terminer un village. J'étais accroché derrière le camion. Et ces cons-là, en fait, ils m'ont pas appelé pour rentrer dans le camion comme ils auraient dû à la fin du village. Ils se sont amusés, en fait, à me laisser à l'arrière du camion et à partir dans le village suivant. Il y avait 2-3 km à faire en pleine cambrousse, même dans une forêt qui descendait, je m'en souviendrai toujours. Et j'étais accroché à l'arrière du camion comme ça, il roulait à 80, je m'en cramponnais et tout. Et c'est super dangereux et ça les faisait rire, en fait. À la fin, je suis bebeu, moi, j'arrive, je descends et tout, on s'arrête, il descend. Ah non, c'était bien le petit tour. Et ouais, c'était rigolo. Enfin, mais en fait, sur le moment, je me suis pas rendu compte à quel point c'était extrêmement dangereux. Et quand je l'avais raconté du coup à mon pote, il m'avait dit putain, il dit faut surtout pas faire ça. Je dis bah je sais, on l'a vu dans le règlement. Et on avait appris justement qu'en plus de ça, il y avait un des rippers qui avait été vu un grave accident quelques mois auparavant. En fait, il était accroché au camion et il a voulu passer la tête comme ça pour regarder où le camion poubelle allait. Et c'est en fait simplement tapé le rétro d'un camion qui est passé. Enfin, un camion qui a frôlé de l'autre côté. Et il s'est tapé, vous savez, les gros rétros de camions. Il s'est tapé en pleine gueule. Et traumatisme crânien, tout ça. Et tout, parce que roule à 70, tu tapes même un truc en plastique qui est censé normalement se rabattre. Et tu le sens passer, quoi. Il a explosé le rétro, il s'est explosé la gueule dessus. Un grave accident et tout. Il est tombé du camion et tout. Un vrai bordel. Et c'est pour ça que je trouve ça très risqué ce que l'autre a fait. Mais après, maintenant, après coup, je me rends compte. Mais sur le coup, voilà. Bref, j'espère que cette petite facecam anecdote sur mon premier métier vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker. Je vous le rappelle, si vous ne me connaissez pas encore, je fais un vlog par jour et une facecam sur un sujet divers et varié par jour. Enquête paranormale sur ghostsandusparanormal.fr. Vous pouvez me retrouver aussi en live sur Twitch absolument quasiment tous les jours. J'allais dire absolument, mais quasiment tous les jours sur Twitch. Le midi et le soir, ça dépend des fois. Vous avez le planning qui est sur ma chaîne Twitch. Vous avez tous les réseaux sociaux qui s'affichent là ou là de toute façon. Des bisous !